Bonjour les amis, je voulais vous parler d'une initiative qui a été prise sur Genève par la communauté de soutenir les otages. Écoutez bien le témoignage qui va suivre mon intervention. Ce témoignage est très parlant et très poignant. Je vous encourage à creuser la question du souvenir, Zaror. On parle beaucoup du souvenir au niveau de Pourim, on se souvient de Esther, au niveau de Pessah. On se souvient grâce au livre des chroniques ou des rois, des royaumes d'Israël, des histoires des rois. Le souvenir est très très important à travers les fêtes et à travers les récits que nous pouvons lire et que nous pouvons nous relire et réciter de nouvelles fois. Du temps d'Amam, le roi a sauvé la communauté juive en se souvenant des bonnes choses qui avaient été faites par Mordechai. Et souvent, on se souvient des choses du passé. Elie Wiesel en a beaucoup parlé, il s'est beaucoup battu pour cela, pour rappeler les choses, pour qu'on n'oublie pas. Il faut aussi qu'on rappelle les vivants, qu'on n'oublie pas qu'il y a des gens qui ont été kidnappés. En parlant des gens, en montrant leurs photos, en parlant d'eux, on fait vivre les gens. Comme je l'ai souvent dit, lorsqu'on lit la généalogie, au début de Matthieu notamment, on fait revivre les personnes. Donc si vous êtes intéressé par cette initiative, si vous voulez défendre la vie, le souvenir des kidnappés qui ne sont pas encore morts, regardez la vidéo attentivement de la personne qui va parler après moi. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller beaucoup plus loin sur l'initiative d'une artiste américaine juive. Des photos ont été faites des gens kidnappés, de 70% à peu près. Si vous êtes intéressé, allez sur ce site www.kidnappedfromisrael.com. Kidnappedfromisrael.com. Vous aurez la référence dans le commentaire sous cette vidéo. Voilà, n'oublions pas les personnes qui ont été enlevées il y a quelques jours. Pensez à eux, montrez leurs photos, parlez d'eux, c'est aussi les faire vivre. Bonne journée. Parti. Bonjour, pour tous ceux qui ont un cercle d'amis, imaginez que d'un seul coup, tous vos amis ont été kidnappés, ont été tués, ont été massacrés, ont été violés par des gens que vous ne connaissez pas, à qui vous n'avez jamais eu affaire et à qui vous n'avez jamais souhaité même quoi que ce soit de mauvais. Voilà la situation de la plupart des gens dans le sud d'Israël, qui vivaient tranquillement sur leur terre, faisant leurs affaires et leurs fêtes. Nous sommes là pour représenter la mémoire et l'espoir pour les kidnappés. Les morts, c'est une autre affaire, et il y en a énormément. Il y a 200 kidnappés, peut-être un peu plus. Ça, c'est une population qui ne peut pas se défendre. Les bébés, les enfants, les femmes avec responsabilité familiale, les vieillards et d'autres qui ne peuvent pas se défendre. Il y a aussi d'autres kidnappés. Nous sommes là sur la place des Nations à Genève pour ne pas laisser passer la mémoire. Faites ce que vous pouvez pour rappeler la mémoire, rappeler aux politiciens, rappeler au public. Cette histoire n'est pas contre les Palestiniens, elle est pour les gens non combattants, victimes d'une situation à laquelle il faut notre soutien pour qu'ils aient le droit de base de vivre. Et j'espère que vous pouvez faire de votre côté ce que nous faisons ici, mes collègues, mes amis, mes compatriotes, et vous également, faites la même chose. Merci.